Les chroniques africaines. Jadis comptoir commercial convoité, puis exploité par les puissances occidentales tout au long du XIXe siècle, le royaume malagasy perd progressivement sa souveraineté malgré l'activisme et l'acharnement d'un peuple attaché à sa liberté. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Empire britannique prend possession de l'île de Madagascar et la remet aux Français libres en décembre 1942. Territoire français d'outre-mer de 1946 à 1958, les députés malgaches avaient déjà tenté, sans succès, d'obtenir une autonomie politique totale tout en demeurant au sein de l'Union française. Ils étaient certainement poussés par les mesures d'émancipation comme l'abolition de l'indigénat et du travail forcé ou l'unification de la justice. Le 29 mars 1947, des nationalistes malgaches, échaudés par le refus d'accroissement de leur autonomie, se révoltent contre les Français. Cette insurrection, qui n'était que la consécration d'un climat de forte tension, gagna alors plus d'un tiers de l'île. Une sanglante répression orchestrée par l'armée française s'ensuivit. La célèbre révolte de 1947 aura fait environ 80 000 morts. Les instigateurs de ce soulèvement n'ont jamais pu être identifiés. Le mouvement démocratique de la rénovation malgache, le MDMR, créé à Paris en 1946 par Joseph Racetta et Joseph Ravoanji, avait clairement appelé la population au calme. Pourtant, ce parti nationaliste fut interdit et ses leaders furent arrêtés. Pour éteindre le feu qui embrase l'île Rouge, la France recourt à des renforts en hommes et le gouvernement colonial s'efforce d'améliorer l'économie. Durant la décennie 50, l'autonomie de la Grande Île est renforcée. Les différents partis socialistes se regroupent et forment alors le Parti socialiste malgache mené par Philibert Tiranan, un ancien instituteur et député français. Après le référendum du 4 septembre 1958, les Malgaches disent oui à la communauté française proposée par le président français Charles de Gaulle et le 10 octobre 1958, la République malagasy est reconnue au sein de la communauté française. Mais ce n'est que 2 ans après, le 26 juin 1960, que Philibert Tiranan proclame, non sans fierté, la République de Madagascar. Cette indépendance sera marquée par une coopération franco-malgache très étroite, puisque le président Tiranan fera une grande place aux anciens oppresseurs, notamment dans les affaires politiques et militaires. Néocolonialisme inconscient ou stratégie politique, les avis sont partagés et le président Tiranan, critiqué par ses compatriotes, fera l'objet d'une contestation populaire grandissante et se verra dans l'obligation de quitter le pouvoir en 1972 après avoir placé la Grande Île entre les mains du général Gabriel Ramanantsoa.